Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de rôle. Ouais, j'en vois déjà certains qui sont en train de se dire sur une chaîne de jeux de rôle, c'est un peu normal. Ouais, mais ce coup-ci, ça n'est pas un vieux jeu de rôle. C'est même tout le contraire, puisque c'est un jeu de rôle qui est actuellement en crowdfunding. The Legacy of the Throne. Excusez-moi pour mon anglais. Malgré toutes ces années de donjon en première édition et en VO, je n'ai pas réussi à apprendre correctement ce langage. Mais bref, j'ai été contacté par les créateurs de ce jeu, notamment par Instagram et par un ami commun, pour que je puisse tester le kit d'initiation qu'ils ont prévu donc de distribuer rapidement si leur campagne Ululé fonctionne. C'est une version PDF que j'ai reçue donc par mail pour pouvoir évaluer l'acuité de ce jeu, et je tiens à insister sur le fait que en aucun cas je sponsorise ou je suis payé pour faire une communication sur ce jeu. Chez Ancestral Geek, le principe est le suivant. On m'envoie un truc, si ça me plaît, j'en parle. Si ça me plaît pas, je préfère éviter d'en parler. Pour résumer, l'existence même de cette vidéo est due uniquement au fait que ce jeu est très intéressant. Vous avez aimé Cthulhu? Vous avez aimé Chill? Ou peut-être même Space 1889, ce jeu est fait pour vous. The Legacy of the Throne est une uchronie qui prend ses racines dans l'Angleterre victorienne de 1840. La reine Victoria règne d'une main de maître sur un royaume sujet à une maladie. Zombifiante, hein, pour vraiment grossièrement résumer. La rouille. Une espèce de mélange de virus zombie et de lèpre. Hein, qui transforme toutes les personnes infectées en monstres assoiffés de sang. Voilà. De ce côté-là, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, pour les vieux, un peu plus longtemps pour les jeunes, donc Orgueil et Préjugés versus Zombies, qui, dans son atmosphère et sa façon de traiter les zombies, s'approche, je trouve, significativement de ce qui a été proposé dans ce jeu de rôle. Saupoudrer l'intégralité de tout ça par un petit peu de steampunk, hein, par l'entremise des prouesses victoriennes, rajouter une certaine pollution au verdium qui a tendance à foutre en l'air la nature, voilà. Ah oui, un peu de religion par-dessus, hein, histoire de bien préparer une belle grosse cocotte minute qui ne demande qu'à exploser. L'ambiance est donc à l'horreur, ou au minimum au thriller bien malaisant. Et nous allons tout de suite commencer avec les points positifs de ce kit d'initiation. Le système est un Chaosium-like, donc de ce côté-là, peu de surprises, notamment sur un jeu qui hérite autant de Cthulhu et des Shield-like. Néanmoins, faut pas s'arrêter à ça, c'est comme un jeu qui apporte ses propres originalités, donc on est à la fois sur quelque chose de robuste et d'éprouvé, et en même temps sur quelque chose qui a quand même été pensé pour correspondre à l'univers. Mon petit coup de cœur sur ce jeu, c'est la gestion de la contamination à la rouille. Ils ont réussi à éviter l'écueil principal qu'on a sur la gestion des maladies dans la plupart des jeux de rôle, c'est-à-dire le tout ou rien. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu fais un jet de constit, voilà, un jet de sauvegarde pour donjon. Dans le meilleur des cas, ceux qui s'y intéressent un peu vont mettre plusieurs jets successifs avec des taux de contamination, mais c'est relativement succinct. Là, on pense à une contamination progressive. Donc, on ne peut être soumis à la maladie et pas tomber malade tout de suite. Donc, on est bien dans cette notion de thriller et de malaise. Il y a aussi la gestion du stress. Et ça, j'apprécie beaucoup, même si, clairement, on lorgne vraiment du côté de Cthulhu. Donc le stress peut s'assimiler à des points de santé mentale. Le monde se prête très bien aux intrigues et aux campagnes, notamment grâce à ses nombreuses factions dont les joueurs peuvent faire partie. Alors là, clairement, on se rapproche de ce que j'adore dans Paranoia, c'est-à-dire des factions qui, parmi les joueurs, vont créer une différence de but, des nuances dans la réalisation de la quête ou de la mission, ou un point de vue différent sur qu'est-ce qu'on doit faire du méchant à la fin, etc. Ça, c'est assez bien pensé, notamment pour créer du rôle et pour créer de la narration. Pour un kit d'initiation, il est extrêmement copieux. Le scénario fait 64 pages, et à mon avis, si vous êtes un peu roleplay, que vous avez envie que ça se passe bien, 4-5 séances, ça me semble tout à fait possible, sans du tout délayer la confiture. De surcroît, ce qui m'a fait tiquer sur ce jeu, pas en mal, hein, en bien, c'est qu'il rejoint sur de nombreux points
les questionnements que je porte moi-même sur l'écriture des scénarios. Je trouve qu'on est trop resté dans l'écriture des années 80-90, même s'il y a des efforts faits de ce côté-là, c'est vrai. Je trouve que l'accès est trop littéraire au scénario. Là, il y a des schémas, des explications, on va au-delà du plan. On essaie de faire des relations entre les personnages pour qu'on puisse, en tant qu'MJ, rebondir sur ce que les joueurs vont nous proposer. C'est pas encore exactement ce que j'attends du jeu de rôle parfait, mais on n'y est pas au jeu de rôle parfait. Par contre, ça apporte quand même un certain nombre de choses innovantes que j'apprécie vraiment. La façon d'aborder le scénario, la façon de le résumer, la façon de préparer les différentes actions que les joueurs pourraient faire, on est quand même dans le haut du panier en écriture. Maintenant, les points un tout petit peu moins positifs, mais en reste moyen plus, quoi. Là, passe en classe supérieure, pas de mention, mais c'est bien. Le jeu est prometteur, mais il va nécessiter une gamme de suppléments relativement solides pour pouvoir enrichir l'univers. Après ça, je n'ai pas encore vu un livre de base complet. Moi, je n'ai lu que le kit d'initiation. Donc ça se trouve, dans un livre de base, il pourrait y avoir suffisamment pour avoir quoi bouffer, quoi. En tout cas, si c'est le cas, et si les créateurs du jeu nous servent des suppléments qui viennent enrichir le monde, hein, notamment la politique autour de l'Angleterre, et puis des développements de la rouille, des types de créatures qui peuvent être créées, ou alors vraiment des sectes, des religions qui viennent enrichir le truc, et notamment un détail plus important sur les factions, ce qui est peut-être le cas, hein, dans l'île de base, ce sera un jeu vraiment très bon. Si c'est pas le cas, ce sera OMJ de se taper tout le boulot, ce qui fait qu'on revient un petit peu au défaut des jeux de rôle un peu plus anciens, c'est-à-dire voici le pitch de départ et puis démerde-toi. Les points à revoir. Les illustrations m'ont pas complètement convaincu. Cela dit, je sais ce que c'est que de créer des illustrations, c'est une partie de mon boulot. Je sais ce que ça représente, un, en budget, deux, en travail. Elles sont pas mauvaises, mais il me manquerait une ou deux illustrations fortes pour venir, à l'instar de la couverture de Warhammer, par exemple, ou de certains Star jeux comme Stormbringer, ou ouais, une illustration forte pour ancrer l'imaginaire collectif autour de ce jeu de rôle-là. Les illustrations qui sont à l'intérieur font bien leur job, mais il manque quelque chose pour vraiment ouvrir mon imaginaire à ce monde-là. Donc de ce côté-là, j'espère que la campagne Ululé se passera bien et qu'ils auront l'occasion d'enrichir d'un point de vue illustration leur ouvrage. Conclusion. Vous avez aimé Cthulhu, mais vous avez poncé le mythe des anciens, et vous avez envie un petit peu de changer d'air tout en restant dans l'horreur, le gothique, etc. Ce jeu est fait pour vous. Si ça n'est pas le cas, ce jeu risque de ne pas apporter ce que vous cherchez dans le jeu de rôle. Soit. Mais si un jour vous changez d'avis, en sachant que c'est quand même un jeu qui est créé sous format crowdfunding, je pense que ce serait vraiment dommage de passer à côté. Des fois, vous changeriez d'avis et que vous ayez envie de vous y mettre. Voilà, tout est dit, donc je n'ai rien à rajouter. J'ai bien aimé faire une review sur un jeu moderne, au regard de toute ma collection de jeux et du savoir que j'ai sur le jeu de rôle, tout modeste soit-il. Je trouve que c'est assez sympathique, donc si vous avez des jeux à faire découvrir, n'hésitez pas à me contacter, en sachant que je ne prendrai absolument aucun sponsoring. C'est pas la peine d'essayer de me fouiller une enveloppe de billets sous la porte pour que je dise que le jeu est vachement bien. S'il est bien, j'en parle, s'il est pas bien, j'en parle pas. Donc pour résumer, Legacy of the Crown est un bon jeu potentiel. La lecture du kit que j'ai fait m'a beaucoup plu et me permet de vous dire, allez-y, foncez, ça, au minimum, vous allez passer un bon moment rien qu'avec le scénario. Voilà, tout est dit. Vous pouvez vous casser. C'est fini.